Et salut tout le monde, c'est Sanji 30 000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate. C'est le quatrième épisode qu'on fait sur le mode La Lumière du Monde. La dernière fois, on avait battu le boss Galéon, qui était dans la petite forteresse cachée juste en bas là. On avait déverrouillé pas mal de nouveaux personnages, notamment Wii Fit. On avait déverrouillé Megaman et Snake. Et Snake, on n'a toujours pas essayé et j'ai trop envie de l'essayer. Du coup, je ne sais pas où on va passer en fait, parce que là, on a déverrouillé pas mal de trucs. Mine de rien, attendez, il y a un... Ah, il y a un personnage ici. Genre, ils m'ont indiqué qu'il y avait un personnage. Ouais, il y a un personnage. Mais oui, attendez, je sais ce qu'on va faire, en fait. On va repartir au début de l'aventure, parce que, en fait, maintenant, on a déverrouillé les deux autres passages, voilà. Le passage de Sheik et le passage de Villageois. Du coup, eh bien, pourquoi pas faire ça, quoi. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est parti, on va changer quand même de... d'esprit, voilà. Ouais, on va mettre ça, très bien. Alors par contre, je vais changer de combattant parce que je veux utiliser Snake, et oui. Bon ben voilà, on est parti pour le chemin du villageois. J'espère que vous êtes prêts. Je pense qu'on a terminé un petit peu tout le chemin de Mars. Enfin, on n'a pas terminé parce que, bien sûr, il y a des esprits qu'on n'a pas du tout déverrouillés. Mais on a fait pas mal de choses. Alors Snake, qui vient de Metal Gear Solid, mais il est apparu la première fois dans, eh bien, Super Smash Bros. Brawl. Et du coup, il y a pas mal de coups intéressants, notamment des munitions, il a des armes aussi. C'est bizarre de voir des armes dans un jeu de combat avec Mario et le villageois d'Animal Crossing, voilà. C'était déjà bizarre à l'époque dans Brawl, mais c'est encore plus bizarre maintenant avec Bayonetta, etc. Et du coup, on va déverrouiller ces deux nouveaux personnages, comme ça, on est bon. Alors, on va changer, voilà, on est parti. Et du coup, je vais vous montrer ses attaques à Snake, parce que j'ai pas eu le temps de vous les montrer, en fait, tout simplement. Alors par contre, voilà, on va te mettre la fleur sur la tête. Alors, il a des grenades, voilà, qu'il peut envoyer comme ça. Bon, par contre, ça nous fait des dégâts, voilà, comme vous le voyez. Ça nous fait des dégâts, mais on peut en lancer plein d'affilée. Voilà, on peut le lancer à différentes trajectoires, donc c'est cool. Après, il a un espèce de missile téléguidé qui peut être téléguidé, tout simplement, voilà. Il dure longtemps, le missile, et il a une bonne précision, je trouve. Donc c'est cool. Au niveau de ses attaques normales, eh bien, il a des petits combos avec des poings et des pieds, voilà. Il peut taper des pieds comme ça dans les airs. Il a beaucoup de Smash Meteor d'ailleurs, Snake. Voilà, il a celui-là comme Smash Meteor. Il a aussi, celui-là. C'est un Smash Meteor, il me semble. Alors, par contre, il a aussi une prise... Comme ça, voilà, il peut endormir... il peut endormir, comment ça s'appelle, son adversaire. Il le met au sol en PLS et après il peut l'attaquer, c'est sympa. Alors du coup, on a déverrouillé pas mal de nouveaux personnages, là on en a déverrouillé deux. Je pense pas qu'on va les utiliser aujourd'hui par contre, parce que y en a beaucoup. Metal Sonic, d'accord, et Tronbone, d'accord, mais attendez, mais Metal Sonic, on va déverrouiller un passage vers en haut. Et après avec Megama, enfin avec le chemin du villageois, on ira vers la droite. Ouais. Et attendez, le truc avec les champignons, là, je peux toujours rien faire? Parce qu'il y a un chemin avec des champignons, mais est-ce que je peux faire un truc maintenant? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, attendez, ici, canartichaud, etc., là, on n'avait pas du tout exploré par ici. Du coup, attendez, on va le faire. Bah ouais, pourquoi pas, aller. On va prendre Don Bongo, hein, écoutez. Ça, c'est les esprits du début du jeu, donc on n'a pas besoin d'être suréquipé non plus, quoi. Alors, contre Falco, qui représente je ne sais pas qui. Par contre, il a le sceptre de Lip, lui. Alors, je vais juste, voilà, le tuer comme ça. Parce que oui, les grabs de Snake... À chaque fois, je veux dire Shake, mais pas du tout, c'est Snake. En fait, les grabs de Snake, quand on est au bord... du ledge, au bord de l'écran, et eh bien il tue, forcément. C'est cool. Je vous ai pas montré toutes les attaques de Snake, il faudrait que je vous les montre. Oh, si vous pouviez barrer un bateau, vous pourriez traverser le lac. D'accord. Bah ok, bah, ça ne servait à rien, hein. Par contre, il y a un aéroport là. C'est quoi ça? Ah, c'est un nouveau boss, non, j'imagine. Ah bah non, c'est bleu, parce que les boss sont de couleur orange, je crois. Donc non, ok, très bien. Bon ben, on peut rien faire pour le moment sur ce chemin, donc c'est pas grave. On peut continuer vers le haut. Qu'est-ce qu'on a en haut? Bah en haut, on n'a pas grand-chose en fait. Ah, il y a un truc là, ouais. Non, mais c'est pas trop intéressant. Je pense qu'on va partir
vers le chemin du villageois, parce que ça me semblait pas mal. Bon, écoutez, on va prendre les deux chemins en même temps, vous savez quoi, voilà. Ah, bah, Metal Sonic, bah oui, c'est drôle. C'est Sonic, bah, en métal, c'est logique. C'est logique. Bah oui, Sonic est dans le jeu. Alors, d'ailleurs, Brawl avait inclus pas mal de personnages assez inattendus, par exemple Sonic, Snake. Il y avait qui dans Brawl aussi? Il y avait Wario aussi, on s'y attendait pas. Enfin, quoique Wario, ça fait partie de l'univers Mario. Maintenant, à chaque nouveau Smash, ils sont obligés d'inclure un nouveau personnage de Mario. Genre, là par exemple, on a Daisy, on a eu la plante Piranha aussi de Mario. Et c'est tout, il me semble, l'univers Mario. Ouais, je crois que c'est tout dans ce Smash Ultimate. Mais regardez, dans Smash 4, on a eu Bowser Jr., on a eu plein d'autres personnages aussi. On a eu je sais plus qui. Bon bah il y a beaucoup de personnages en tout cas. Là on a un truc. C'est quoi? C'est une langue? Ouais c'est une langue j'ai l'impression. Bah ça va être Yoshi je pense là vers là. Ça doit être une langue donc ok. Très bien. Docteur Krigor. Ah c'est cool. Attendez là il y a Ashley là-bas non? S'il y a Docteur Krigor. Non peut-être ça n'a aucun sens s'il faut. Alors attendez par contre. Il y a un truc là. Je suis pas fou hein. Il y a un interrupteur là, mais on pouvait y aller. Il fallait descendre, aller à droite, passer ici. On avait un coffre. Et attendez, mais là c'est un interrupteur. Je ne sais pas ce qu'il ouvre. Bon, c'est pas grave. On a dit qu'on continuait le chemin d'en haut. Hein. Voilà, on continue le chemin d'en haut. Donc, soit on va. Ah. Là, il y a des trucs pas mal. Il y a un coffre même. On va faire d'abord Docteur Krigor. Pour déverrouiller la droite du chemin. Et après on ira vers le pont cassé là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et ça va être drôle je pense. Alors par contre on va affronter Dr Mario, Wario et comment il s'appelle. Et Rob. Allez. Voilà. J'ai envoyé la bombe dans la tronche. Alors je vous ai pas montré tous les coups de Snake. Alors Snake il peut remonter comme ça. Donc avec un espèce de drone. Oh purée. Oh. C'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Mais il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Attendez, vous êtes sérieux? Je l'ai même pas touché quoi. Et je vous ai même pas montré le coup béba de Snake. Purée, ils se sont suicidés tout seuls les adversaires. J'ai rien fait quoi. Alors, du coup à droite, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh oh! Ah, il y a un truc en haut. Ah, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa ici. Il y a un coffre et tout. Ouais, 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 ça peut être cool. Alors, Métor. Ça vient de quoi, ça? De Megaman, oui, c'est vrai. Après, je vais changer de personnage. Ouais, on va changer de personnage parce que Snake, c'est bien de vous le montrer. Mais en tout cas, j'adore le gameplay de Snake. Hein. Il n'a pas changé depuis Brawl. Je pense qu'il y a certaines attaques qui ont changé. Mais sinon, non. Alors, ben voilà, regardez. Tu vas crever. Bisous. Allez. Attendez, je vais voilà, faire ça. Ok. Hop. Ah, mais c'est un Smash PV, c'est pour ça que je l'ai pas tué. Ah bah oui, parce que sinon je le tuais avec... Oula. Ok, d'accord. Bah tu vas mourir encore, hein. Désolé, Pac-Man. Voilà, merci. Voilà. Le coup de Snake comme ça, là, il est très fort. Il est vraiment très très fort, vous avez vu, il fait plus de 52%, donc c'est assez incroyable. Mais bon, il faut le charger au max, quoi. Et en plus, la portée n'est pas très ouf. En fait, c'est bien quand vous cassez le bouclier adverse, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? D'accord, Anne. Rapido et Ramolo. Alors ça, c'est de Rhythm Paradise. Teddy, d'accord. Et là, on a... Eh ben, Melly et Melo. Ben voilà, c'est super. On va pouvoir débloquer un truc, je pense. Parce qu'il y a un espèce de shop à côté, là. Ok, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors, du coup, contre deux villageois. Ah bah oui, c'est drôle. Mais oui, c'est des villageois avec le tanuki. Enfin, voilà, c'est la feuille tanuki de Mario. Bah oui, c'est logique. Alors, tu dégages, s'il te plaît. Je vais prendre le curry. Le curry de Kirby. Voilà. Allez, le petit curry. D'ailleurs, les smash de Snake sont vraiment super. Ils sont assez inédits. Parce que regardez, déjà, donc comme je vous l'ai montré... Oh purée, mais ils sont relous. Pourquoi il y a des objets dans ce mode de jeu-là? Purée, c'est horrible. Oh là là. Donc, en fait, ils sont assez inédits parce que, regardez, déjà, on a un smash haut, voilà. En fait, il lance une espèce de roquette vers le haut. Et après, la roquette retombe. Donc, on a l'espèce de lance-roquette vers le bas, comme ça.
ça fait beaucoup de dégâts. Et attendez, je vais vous montrer donc le truc vers le haut, comme je vous l'ai dit. Hop. Et après, ça retombe. Voilà, comme vous le voyez. Par contre, le villageois est assez insupportable avec les gyroïdes. Voilà. Allez, crève. Purée, il va pas mourir, hein. Il va pas mourir, le petit villageois, là. Il y a des pâtes bolognaises qui volent. Je veux les pâtes bolognaises. Les pâtes bolognaises. Oh, bah, elles sont mortes. je me suis fait tuer par les pâtes bolognaises. C'est pas possible. Non, je voulais récupérer les pâtes bolognaises, quoi. Purée, ils sont pas sympas. Bon, attendez, je vais vous montrer les coups de Snake, s'il vous plaît. Arrêtez de m'interrompre. Donc, attendez. Je vous ai pas montré encore le B bas, voilà. Donc, vous voyez, il pose une mine et après, on peut l'activer quand on veut. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, même dans les airs, on peut l'activer et tout. Donc, c'est sympa. Hop. On active ça, voilà. J'ai posé la mine. Je sais pas où elle est atterrie. Ah, elle est là-bas. C'est compliqué de voir la mine, hein. Franchement, dans Brawl, c'était beaucoup plus... beaucoup plus visible, voilà. Parce que là, c'est vraiment ouf, hein. Genre, elle est super bien cachée. Bam, tu dégages. Voilà, merci à toi. Cette fois, aucune patte bolognaise pourra m'avoir. Bam. Voilà. Oh, ça ne veut même pas faire un smash météore, d'ailleurs. Pourquoi? Ok, d'accord. Pourquoi il a pas fait son recovery, le villageois, je sais pas. Bizarre. Mais pourquoi, ouais, ça a pas fait le météore? Je pense que j'étais pas bien positionné, parce que normalement, ça fait un météore, le coup de Snake, là, de tout à l'heure, ça fait un météore. Alors, super, vous pouvez maintenant faire des affaires avec Melly et Mello. Alors, super, qu'est-ce qu'il y a? C'est une boutique, en fait, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est une boutique. Utilisez les points d'esprit que vous avez gagnés pour faire des achats. Il peut même parfois y avoir des réductions. D'accord. Ok. Oh! L'esprit Shovel Knight, l'esprit de Megaman, l'esprit Jet de Mario et l'esprit Fire de Game & Watch. D'accord. Eh, ils ont des bons articles, hein, dis donc. Bon, j'ai pas de thunes, hein, mais ils ont des bons articles, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a là? Un pont. Un pont, d'accord. Et après, non, hein, y a pas grand-chose d'autre, sinon. Y a plein de personnages qu'on peut débloquer, sinon. Allez, Teddy de Earthbound. D'accord, ok, très bien, je ne savais absolument pas que lui, c'était un personnage d'Earthbound. Ça ressemblait pas du tout à un perso d'Earthbound, en plus. Alors, je vais vous montrer d'autres personnages, parce que c'est bien beau, mais vous, je pense que vous voudriez que je vous montre d'autres persos. Donc, on va prendre le villageois, tiens, le villageois d'Animal Crossing, qui a plein de tenues, comme vous pouvez le voir. Moi, j'adore la tenue, enfin, les tenues, on va pas se le cacher, elles sont vraiment toutes horribles, hein. À part celle-là, peut-être, et Oh, ils ont enlevé ma tenue préférée. Y a pas la tenue violette? Oh, ils ont enlevé la tenue violette, ils l'ont mis comme ça à la place. Oh non, c'est triste. La tenue violette, elle était trop stylée. Oh, celle-là aussi, elle passe en vrai, hein. Ouais, celle-là, elle passe aussi. Ouais, ouais, mais bon, je vais prendre le villageois normal. Parce que, ouais, les tenues du villageois, je les aime pas trop. Alors, le villageois, il a des coups assez particuliers. Déjà, son B neutre, c'est la poche. Alors, la poche, c'est quoi? Eh bien, ça lui permet de mettre un item dans sa poche. Voilà, justement, comme dans la série Animal Crossing, hein. Voilà, il met un item en poche. Je vais vous montrer si jamais il y a un item. Hein, quand on veut les items, là, ils y sont pas, hein, bien sûr. Alors, après, qu'est-ce qu'il a? Le B côté, c'est un gyroïde. Donc, voilà, regardez. Hop, je mets ça dans ma poche. Et après, je peux la ressortir à tout moment. Voilà. Mais après, je peux la ranger, etc. Comme dans les jeux Animal Crossing, tout simplement. T'es sérieux, toi? Genre, je montrais les coups du villageois. T'es pas très sympa, hein. Franchement, t'es pas cool, hein. Donc, après, donc, il a la poche, il a le gyroïde. Donc, c'est un espèce de projectile qu'il peut envoyer. Voilà, il peut même se mettre dessus, voilà, et partir à fond la caisse. Après, qu'est-ce qu'il a? Il a le Beos, donc c'est inspiré de Balloon Fight. Voilà, donc il peut voler, etc. C'est le meilleur recovery du jeu. Voilà, c'est le meilleur recovery du jeu. En tout cas, c'était le meilleur recovery du jeu dans Smash 4. Mais je pense que là, ça va être le meilleur recovery du jeu tout court, en fait. Après, son B bas, c'est une attaque qui se fait en 3 temps. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, en fait, casser un arbre. Voilà, il va pouvoir couper un arbre. Et voilà, et l'envoyer sur l'ennemi, comme ça. Et donc, c'est un coup qui se fait en 4 temps ou en 3 temps, je sais plus. D'abord, il met la pousse dans le sol. Après, il arrose. Après, il met un coup de hache. Et après, il met un deuxième coup de hache pour frapper l'arbre et le faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un espèce de tunnel avec un personnage, je ne sais pas lequel. C'est dommage, on peut pas savoir les personnages qu'il y a, c'est triste. Donc, vous savez quoi? Rapido et Ramolo. J'ai l'impression
C'est quoi Rapido? Ah, j'ai l'impression de regarder les rats, là, c'est un vieux dessin animé. Bref, je pense que vous connaissez pas. Alors. Mais non, mais après, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a vraiment pas des choses ouf. Ben oui, mais de toute façon, il faut débloquer tous les personnages du jeu, alors. Allons-y, hein, allons-y. Ah, mais vétéran, non. Vétéran, c'est trop compliqué pour moi. Allez, Anne. Anne de Splatoon, voilà. D'ailleurs, elle est même pas dans Splatoon 2. Elle est même pas dans Splatoon 2, pardon. Elle est que dans Splatoon 1. C'est elle qui s'occupe de la boutique couvre-chef, là. Ah, bah d'ailleurs, bah oui, je peux mettre le sceptre de Lib dans ma poche. C'est vrai. Et après, qu'est-ce que je vous ai pas montré comme attaque? Je vous ai pas montré... Bah non, c'est tout, en fait. Je vous ai pas montré le B bas. Si, je vous l'ai montré. Le B haut, je vous l'ai montré. Le B côté, je vous l'ai montré. Et le B neutre, je vous l'ai montré. Ok, donc je vous ai montré toutes les attaques du villageois. Bon, après, bien entendu, il a des coups... Des coups classiques, hein, donc il peut sortir les navets de Animal Crossing, il peut avoir le lance-pierre aussi, comme ça, voilà, il envoie un truc de lance-pierre, il envoie une espèce de pousse d'arbre, c'est sympa. Mais bon, après, le villageois, voilà, c'est pas un personnage que je maîtrise vraiment. Je sais que Bib Attack est très fort avec le villageois, mais moi, je n'aime pas ses coups, parce qu'en fait, il a pas vraiment de coups hyper ouf, en fait. Genre, ses coups, c'est pas des coups vraiment trop puissants, c'est des coups neutres, en fait, c'est des coups normaux, c'est pas... C'est pas incroyable comme Snake, par exemple. Et c'est pas très fun à jouer, le villageois, je trouve. Ça fait pas de dégâts, ça envoie pas très loin. C'est pas très fun, le villageois, je trouve. 500! Pas mal, pas mal. Alors, Yuri, donc, elle vient de... je ne sais plus comment il s'appelle, le jeu. Comment il s'appelle? Project Zero, voilà. C'est ça. Allez, c'est parti. Rhythm Paradise. Ouais, on va mettre... Bah, voilà, comme ça, écoutez, c'est pas grave. On part avec ces esprits-là. C'est très bien contre Duck Hunt. Du jeu Duck Hunt, voilà. Ils ont quand même ressorti des persos assez étranges, hein, dans Smash 4. Parce que oui, lui il vient de Smash 4. Ouais, ils ont ressorti des persos assez oubliables et assez drôles, mine de rien. Parce que genre, j'ai envie de vous dire, l'entraîneuse Wii Fit, c'est très drôle quand même, hein, de ressortir ce genre de personnage pour faire un combattant. Ils ont ressorti Duck Hunt, ils ont ressorti Rob aussi dans Brawl, ils avaient ressorti Game & Watch aussi dans Melee. Enfin, franchement, ils ont ressorti des persos assez peu connus, voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans... What? Mais quoi? Il m'a tué? Attendez, quoi? Ça fait un Smash Meteor, ce truc? Attendez, ça, donc c'est Félin Inferno, et son coup pour se rattraper, c'est un espèce de plongeon en avant. Mais genre, vous avez vu, il m'a démonté alors que j'avais 30%, quoi. Ah ouais, ok, ça rigole pas. Fait l'Inferno ne rigole pas. Alors par contre, t'es sympa, mais tu mets pas de fleurs sur la tête comme ça. Par contre, ouais, Fait l'Inferno, il est vraiment pourri pour se rattraper. Hein. Ouais, j'ai vu des images de gameplay. Fait l'Inferno, ouais, c'est pas le meilleur perso pour se rattraper. Ça, c'est clair et net. Allez, oh là là, c'est pas vrai. En plus, il a le sceptre de Lip. Tu dégages. Oh. Hop, voilà, magnifique. On envoie... Le gyroïde, bon bah voilà, Fait l'Inferno est mort. What? Ah oui, c'est vrai que ça c'est le coup de Fait l'Inferno, du ring de boxe là, c'est sympa. Allez, venez. Voilà, tu dégages. Ouais, par contre, je vais te choper. Hop. Ah, c'est l'anneau étoile ça. Ah bah d'accord, bah vous l'avez vu l'anneau étoile. Voilà, c'est un nouvel item du jeu ça aussi. C'est un anneau étoile qu'on peut placer et qui propulse les adversaires. C'était un petit peu comme le bumper de Smash Bros Brawl. Mais je sais pas s'il est encore là, le bumper. Je crois qu'il est encore là, parce que dans Smash 4, il était là, le bumper, il me semble. Oh, ben Max! Ah ben c'est génial, ça, Max de Animal Crossing. Hop. On prend cette équipe. Elle est pas mal. Donc, contre Marie. Bah oui, parce que Marie, c'est la sœur de Max. Bah oui. Et moi j'adore, je préfère Max d'ailleurs à Marie. Mais vous avez vu son costume alternatif à Marie, c'est inspiré de Max du coup, de son frère. Par contre, ce qui est drôle avec le villageois, c'est que son smash côté, donc l'espèce de boule de bowling, eh bien vous pouvez la mettre comme ça. Enfin, vous pouvez la faire tomber du stage. Et ça c'est drôle, parce que quand il y a des gens qui veulent se rattraper, eh bien vous avez juste à envoyer la boule de bowling comme ça, et la boule de bowling elle tombe et ça tue les ennemis qui sont en dessous quoi. C'est drôle. Alors, du coup, on a... débloquer un nouveau personnage. Ça va être qui? Allez, on va faire une petite prédiction. C'est une ville. C'est soit Marie, soit... Ah, je sais pas,
Ah, ou soit Lucas ou Ness. Ouais, parce que c'est une ville. Ah, épéiste. Ok, aucun rapport, mais vraiment aucun. Aucun rapport, quoi. Ok, non, ça aurait pu être Ness ou Lucas, quoi. Hein. Moi, j'aurais été très content si ça avait été Ness. Hein. Allez, on va changer de combattant. Je vous ai montré le villageois. Maintenant, je vais vous montrer... Il est où? Snake. Shake. Oh là là, j'ai vraiment des problèmes. Hein. Bon, Shake, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode. C'est un personnage qui se fait vraiment vite défoncer. Par contre, ce qui est bien avec Shake, c'est qu'il est rapide. Je crois que c'est l'un des persos les plus rapides du jeu. Il a un bon coup pour se rattraper. Voilà, c'est une espèce de petite, comment ça s'appelle? C'est un espèce de petit flash ninja, là. Bah oui, de toute façon, Shake, c'est un Sheka, donc forcément, il a des attaques de Sheka. Il peut envoyer une espèce de grenade sur son décoté. Il peut charger des espèces de petites piques, des petites aiguilles, voilà, et après il peut les lancer. Donc c'est un projectile assez, assez efficace. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir, et ça éjecte pas surtout. Donc c'est ça le problème. Oh, quoique ça fait 10, non? Attendez, 55, il a 55. Oh purée, c'est pas vrai, attendez. Il a 55, je vais charger les piques. Ouais, ça fait 5 de dégâts quoi. c'est pas ouf. Après son débat... C'est une espèce de petite cabriole. Parce qu'en fait, à la base, le béba de Shake, c'était pas censé être ça. À la base, Shake, donc il est apparu dans. Dans Melee. Eh oui, il est apparu dans Melee, Shake, non? Il est apparu dans Melee, ben oui. Il est apparu dans Melee avec Zelda. Et en fait, le but du personnage de Zelda, c'était de pouvoir avoir deux personnages en un. Et oui, parce que Zelda avait Shake, en fait. Le béba de Zelda, c'était pour se transformer en Shake. Et Shake. Le béba de Shake, c'était pour se retransformer en Zelda. Voilà. Du coup, c'était un personnage assez mauvais. Je crois que c'est le pire personnage de Melee, Zelda. Ou l'avant-dernier. C'était vraiment pas ouf. Et Shake, par contre, lui, c'était vraiment un très très bon personnage. Dans presque tous les Smash Bros. Où il est apparu, c'est vraiment un super bon personnage. Dans Smash 4, il est vraiment très 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 bon. Après, il est bon dans Melee, il me semble. Et dans Brawl, je sais plus. Non, bon, je sais plus du tout, par contre. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir faire? Bah, écoutez, je propose... Ça fait 26 minutes. Je propose qu'on continue la route ici. Voilà. Comme ça, on débloque un petit peu toutes les zones. Et on va pouvoir plus facilement se repérer. Donc, ça va être sympa. Thronebone, donc de Mega Man, il me semble. Ok. Alors, c'est parti. Il va falloir combattre Wendy... Wendy O, voilà. Allez, tu dégages toi. Allez, merci. Merci. Le combat s'est avéré très rapide. Voilà, 0%. Ils m'ont touché 0 fois, c'est incroyable. Ah non, mais par contre, c'est pété. Genre, l'esprit qui donne le sabre là, il est pété. Parce que le sabre, c'est vraiment un super bon item hein, dans le jeu. Donc, il est vraiment pété. Oh, bah là, ça va partir sur de F0, non? Enfin, on va débloquer Captain Falcon là, je suppose. Attendez, oui, c'est carrément Captain Falcon là. Lilina. Ah mais oui, mais c'est un perso. Mais c'est... Attendez, mais je l'ai déjà ce perso, non? Je l'ai pas déjà ce perso? Attendez. Mais oui, je l'ai ce perso, il me semble. Non, je l'ai pas. Ah non, je confonds avec elle, en fait. Non, non, pas du tout. Non, non, je confondais avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. D'accord, contre Palutena. Très bien. Palutena, d'ailleurs, qui a beaucoup changé depuis Smash 4. Eh, j'ai encore l'esprit qui donne le sabre. Allez, merci. Ah bah je crois qu'elle est morte là. Ah non. Ok, ah non non ça va, Palutena il résiste quand même hein. Allez, dégage s'il te plaît, merci Roy. Oh purée. Vous avez vu ça, il est tellement fort. Et en plus c'est un item que vous pouvez utiliser tout le temps hein. Genre il a tout le temps la même efficacité. C'est pas comme certains items qui sont pourris au bout d'un moment. Genre le sceptre de Lip. Au début il est super fort, mais après il devient très nul parce qu'il fait plus la fleur sur la tête des personnages. Mais lui par contre le sabre, eh bien il a toujours la même puissance quoi. Ok, ça c'est bien, super. Je crois que c'est qui donne le sabre? Attendez, parce que c'est un super bon esprit quoi. Genre il est vraiment trop trop fort. Alors magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un nouveau perso, Fiora. Alors ça c'est quoi? C'est de Xenoblade il me semble, Fiora. Il me semble, ouais, que c'est de Xenoblade. Là on a un bateau.
Snake Man, d'accord. Donc, ok, très bien. Professeur Chomps, d'accord. Donc ça, c'est de Donkey Kong. Je voulais voir un truc... Non, c'est bon. Non, c'est rien. Ménat géant. Ça vient de Yoshi. Et ça, je veux savoir, qu'est-ce que c'est comme personnage, là? Attendez, ça... Ah, ça doit être... Ah, bah c'est Link, non? Bah ouais, c'est la tour. Bah oui, c'est Link. Ok, on va combattre Link. Alors, c'est qui donne l'épée, là? Épée laser, c'est Alemrich. Mais il est trop fort, Alemrich, là. T'es trop puissant, mon gars. Ah, il est trop fort, Alemrich, hein. Ah ouais. Il est vraiment super fort. Allez, c'est parti contre Fiora. On va affronter Lucina. Lucina qu'on a toujours pas débloqué, d'ailleurs. Et donc, on va avoir Link. C'est bien parce que Link, c'est vraiment un personnage que je voulais vous montrer, en plus. Parce que Link, il a totalement changé par rapport à Smash 4. Ouais. Oh, c'est elle qui m'a volé mon épée! Tu m'as volé mon épée! Oh, elle m'a volé mon épée, sérieux. Voilà, merci. Non. C'est mon épée, voilà. Oh là là, par contre, il y a Shulk là. Oh non! Bon, ok, laisse tomber. Ah ouais, Shulk, ça va être très compliqué là. Ouais, Shulk, c'est un personnage super fort parce que, en fait, son B neutre... Ça lui permet de changer de statistique. Par exemple, il peut avoir une statistique surélevée en défense, une statistique surélevée en saut, une statistique super élevée en smash, une statistique super élevée en ravage, donc qui fait beaucoup de dégâts, quoi. Donc c'est un personnage à ne pas prendre à la légère, Shulk. Mais vous êtes sérieux, là? Allez, voilà, hop. Allez, descend. Oh non, mais... En plus, elle est trop forte, Lucina, hein. Défense. Ok, j'avais perdu de la défense. Ok. En plus, vous avez vu la portée qu'il a, Shulk. Il a une très bonne portée, hein. C'est pas la plus grande portée du jeu, mais c'est pas mal. Ah, purée. Allez, crève. Dégage. Par contre, attendez, c'est des... Mince. Hop, voilà. Ah mais c'est elle qui a chopé mon... Voilà, ok. C'est elle qui avait chopé mon épée, attendez. Lucina, ça va pas ou quoi? En plus, c'était un esprit vétéran, quoi. Vétéran, c'est fort, hein. Un esprit vétéran, ouais, c'est pas mal. Je suis content de vous proposer des gameplays sympas avec ce genre de perso, parce que c'est pas évident à jouer Shake. Bah ouais, allez. Il est où le mecha, là? Le mecha. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça nous donne plus de récompenses quand on a un comment ça s'appelle? Une puissance inférieure. Voilà. 16. 16, c'est pas mal, hein. Voilà, 33. Et là, normalement, on le tue. Ah non, mais c'est vrai que Rondoudou, bah oui. Rondoudou, il peut voler comme Kirby. C'est pour ça qu'il est relou, d'ailleurs, Rondoudou. Mais Rondoudou, il est vraiment nul. C'est vraiment un des persos les plus pourris, hein. Parce qu'il est super lent, en fait. Smash Ultimate, l'avantage de ce jeu, c'est que ils ont what? Allez. En fait, l'avantage de Super Smash Bros Ultimate par rapport à Super Smash Bros 4, c'est que ils ont augmenté la rapidité de tous les personnages. Mais le problème, c'est que Rondoudou, lui, il est toujours lent. Il est toujours aussi lent. Et comparé à des personnages, genre par exemple, qui sont gros, qui ont eu un buff, en vitesse, comme par exemple Bowser ou King Karool. Eh bien, lui, Rondoudou, il est toujours aussi lent et il est pas super, super utile, en fait. Il est où, Alemrich, là? Alemrich. Oh, sérieusement. Non, mais je veux pas les dégâts de sol, machin, là. Les sols de feu, voilà. Il n'est que 2 étoiles, Alemrich, quoi. C'est incroyable. Allez, donne Rezeti. Ah oui, c'est pas le frère de Rezeti, lui? Justement. Oh! Dégage. Non. En plus, oh, vous avez vu, ils ont changé l'animation du marteau. Ok. Ah, mais c'est pour faire une petite référence à... Oula. Mais sérieusement, j'arrive pas à charger mon attaque. Qu'est-ce que je vole avec Shake, là? Ah, mais oui, c'est... Ouah. Ah, oui, il a sauté, d'accord, ok. Oui, c'est parce que j'avais la fusée dorsale. Ok, d'accord. Oui, je me suis dit, mais pourquoi Shake, il vole autant, là? C'est n'importe quoi. Mais non, en fait, c'est juste parce que... J'avais un item, voilà. Eh bien, bam, voilà.
Tremblement de terre. Ah oui, c'est pour... Oh, purée. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il m'a touché, parce qu'il y avait le tremblement de terre. Je l'ai pas touché, là, vous êtes sérieux? Allez, crève. Voilà. Mon épée. Oh là là. En plus, c'est Luigi. Oh, mais oui, oui. En plus, Luigi, comme vous l'avez vu, son grab a changé. Et oui, parce que maintenant, il utilise l'aspirateur. Maintenant, il utilise l'aspirateur de son jeu, donc de Luigi's Mansion 3. Et oui. Et oui, parce que ils ont fait un petit tease par rapport à ce personnage pour Luigi's Mansion 3, en lui mettant un espèce d'aspirateur qui envoie une espèce de... je sais pas, de comment ça s'appelle, le truc pour déboucher les chiottes, là, de débouche-chiottes, voilà. Un espèce de truc qui colle, quoi. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Contre Link. Link contre Sheik. Un combat qui va s'avérer vachement épique. En tout cas, Link, bon perso, hein. Bon perso, même si je l'ai de base dans le jeu, parce que oui, on a Link de base dans le jeu. On n'a pas besoin de le débloquer pour le mode classique. Mais sinon, ouais, Link, je voulais vraiment absolument le tester d'ailleurs. Parce que c'est un bon personnage maintenant. Avant, il était vraiment nul. Maintenant, c'est un très très bon personnage, Link. Parce que en fait, il a des nouvelles bombes qui sont inspirées de... Eh bien, de Breath of the Wild. Allez. Merci. Merci, Link. Au revoir. Et voilà, Link fait son entrée. Génial. Plein de sphères de talent. Ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a vers la droite? Attendez, parce que j'ai vu des trucs vers la droite. Oh, il y a ça. Anna. Fire Emblem. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va faire ce dernier combat. Oh, j'aurais pu utiliser Link. Bon, Link, on l'utilisera dans le prochain épisode. C'est pas très grave. En tout cas, c'est cool qu'il nous ait proposé d'avoir plein de persos aujourd'hui, là, dans cet épisode. Oh, mais c'est pas vrai. Mais Lucina, en plus, elle me vole mes épées, quoi. Dégage. Allez, crève. Merci. Merci, Lucina. Au revoir. Alors, on a débloqué Anna et il y avait une petite maison à côté. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? J'aimerais bien savoir. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Vous pouvez maintenant faire des affaires avec Anna. Ah! Encore? C'est une vendeuse alors dans Fire Emblem, elle? Bah, je pense, hein. Waouh, esprit primaire 4000. Ça, c'est qui, lui? Cet esprit est tout à fait compétent. On a toujours besoin d'un primaire. Ah, les sphères de talent, ok. Oh, c'est cool! Vous avez vu, c'est le mec de The Wonderful 101. C'est Wonder Bleu. Ah, c'est cool. Bah, écoutez, je vais le prendre. Voilà. Je sais pas s'il est disponible dans le jeu. Je pense qu'en fait, tous les esprits sont disponibles dans la map. Enfin, sur la map, plutôt. Mais il faut savoir les trouver, quoi. Et c'est le plus compliqué. Octaling. Donc là, on va pouvoir débloquer Captain Falcon, je pense. Après, là, en haut, il y a un truc. Mais il faut passer... Il faut passer par là, en fait. Il faut faire le contour. Eh oui, l'Octaling, en fait, elle nous fera passer par là. Et après, on pourra aller sur le pont. Le pont, ça me semble être un endroit assez... assez bien, hein. Genre, il relie un espèce de truc bizarre. C'est un gros pont en plus. Donc, l'Octaling va nous servir. Alors, juste avant, on va mettre les orbes dans l'arbre de compétences. Qu'est-ce qu'on a? Temps de transformation. Aux objets tels que le super champi. Ah ouais, ok. Ça peut être pas mal. Attaque plus 6, dégâts élevés, ça c'est bien. Et voilà. Ok, ça c'est cool. Oh, j'aurais pu mettre le soin à la place du champignon là. Enfin, le. Des trucs du champignon. Ah ouais, c'est dommage. Ah mais oui, regardez. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 shops. Non, peut-être 6 même. Il y a 6 shops différents. Donc le shop de Millimilo, le shop de la meuf de Fire Emblem. Après, il y aura peut-être d'autres shops. Ça va être sympa. Objet de soutien. Ah bah attendez, je vais acheter plein d'encas. Ah bah non, on peut en acheter qu'un, d'accord. Tiens, on va prendre la cocotte. Voilà. Et après, c'est tout. Ok. Eh bien, super! Alors, juste avant, on va juste nourrir les esprits. Il y a plein de choses que je veux faire avant. Et qu'est-ce qu'on a, là? Alors, donc, Dr. Krigor, etc., machin. Alors, toi, tu étais pas mal, non? Ah non, en fait, c'est les esprits 3 étoiles, voilà, qu'il faut que j'améliore. Ouais. Lui est vraiment cool, le mec de Metal Gear. Allez, tiens. Voilà. On te donne plein de trucs. Voilà. Niveau 91! Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Par contre, attendez, mais j'ai plus de points esprit, là, de PE. Oh, c'est triste. Par contre, attendez, 7000. Ah non, eux aussi, ils ont 7000. Mais attendez, mais c'est quoi cet esprit pourri, là? Pourquoi, genre...
des esprits 2 étoiles, ils ont 7000 et toi t'as 7000 et mais t'es 3 étoiles mec. Hein. Remets-toi en question quand même là, hein. Y a un problème. Ah non mais parce que lui il a 3 emplacements d'esprits secondaires. Ok, donc en fait ça n'influe pas la force des esprits et les étoiles, ça influe juste les emplacements. D'accord, ah mais non mais lui il a 2 étoiles et il a 3 cases. Ah c'est bizarre, ok c'est bizarre. Bon, et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Super Smash Bros. C'est de quoi cet accent pourri là? De Super Smash Bros Ultimate, j'espère que vous l'avez apprécié. Oh bah vous savez quoi, attendez, on va quitter. Voilà, peut-être qu'on va débloquer un nouveau personnage. Non, même pas, ok. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Ah bah si, voilà, si, il y a un nouveau personnage. Ok, on va pouvoir débloquer Ness les amis. Super, Beam Friend, ok. Allez, c'est parti. Combat contre Ness de Earthbound. Donc voilà, de la série Mother ou Earthbound. Purée. Waouh, ça fait mal son piqué Fire maintenant à Ness. Allez. Au revoir, merci beaucoup. Donc voilà les amis. On va s'arrêter là pour cette vidéo de Super Smash Bros Ultimate. Je voulais... Ah. Ah bah j'ai débloqué plein de trucs. 1200, 2000 Goldus, tenue Toy-Con. Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc ça, c'est dans le mode aventure. Qu'est-ce qu'on a dans le mode aventure? Sauver sans esprit, d'accord. Donc ça, on le fera au fur et à mesure. Débloquer l'expédition. D'accord. Remporter tous les combats. Ouais, ça va être chaud, par contre. Batté. Ah, ben ça, je pense que c'est le boss final. Terminer le mode aventure. Bon, ça va se faire. Hein. Ok. Tes points d'interrogation. Est-ce qu'on peut utiliser le marteau sur ça? Bah oui. Batté, machin. Ok, obtenez tous les talents dans le mode aventure. Débloquez le dojo. Débloquez la salle de sport. Ouvrez 20 coffres au trésor. Retirez tous les obstacles de la contrée de la lumière. D'accord. Et ça c'est quoi? Je peux pas l'activer, d'accord. Je peux pas taper avec le marteau. Parce que oui, ça c'est les marteaux. On peut, si un défi est trop compliqué, eh bien on peut l'éclater avec le marteau. Obtenez 777 esprits différents, d'accord. Laissez 3 fois un esprit s'entraîner dans la salle de sport. Vendez 5 objets. Il y a plein de petits défis sympas à faire. Oh, c'est cool. Ah, mais j'ai débloqué encore un truc. Joueur Yakuman. Accumule un total de 5000 Goldus. Ah, bah voilà. Ok, c'est très bien. Et attendez, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Voilà, le magasin. Qu'est-ce qu'ils vendent dans le magasin? Ah. Alors, ça, je m'en fous. Les tenues, je m'en fiche. Les musiques... Non, en plus c'est une musique de Fire Emblem, donc non. Par contre les encas, je veux bien. Genre j'en ai vraiment besoin. C'est super bien les encas. Allez, 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 on en prend 30. Voilà. Ouais, je vais en prendre 31. Voilà, super. Le magasin s'est agrandi. Ah, une tenue Skull Kid. Ah, ça c'est pour tous les gens qui voulaient voir Skull Kid de jouable dans le jeu. Voilà. Oh, 45 encas, c'est pas mal. Allez, voilà, je vais en prendre... 40, voilà, super, quoique, allez, 40, 41, voilà. Ok, eh bien super les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Super Smash Bros Ultimate. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous retrouve, eh bien écoutez, demain pour un nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate. Allez, bisous à tous et à la prochaine, ciao ciao.